L'entrepôt du bricolage. Le bricolage a pris entrepôt. Les 15 et 16 juillet, Saint-Pierre d'Albigny accueillait les championnats de France 2017 de cross-country. Comme chaque année, le public s'est déplacé en nombre pour assister aux différentes épreuves. Parmi elles, le quad, la moto 125 ou encore le VTT. Saint-Pierre d'Albigny est une terre d'accueil idéale pour recevoir la crème des pilotes français. Cet avis est partagé à la fois par Livia Lancelot, championne du monde en titre, et par Michael Nicolas, champion de France, qui se sont confiés au micro de Savoie-News. Voilà, ça a été bien préparé, le club a fait le maximum, ils ont bien griffé, bien arrosé la piste, on a de bonnes conditions, donc non, c'est sympa. L'accueil savoyard, c'est vraiment génial, les gens sont tous accueillants, super gentils. Le terrain est super bien préparé, ils font vraiment le maximum. Et voilà, la région, l'environnement est magnifique, il y a les montagnes derrière, le terrain de cross d'ici. Donc voilà, c'est vraiment top. Et une belle journée ensoleillée, donc c'est super. Les vainqueurs de cette 30e édition sont dans la catégorie championne de France féminine, Livia Lancelot, qui précède Jessie Joanneau. Dans la catégorie 125 cm3, Michael Nicolas de Saint-Miel prend la première place face à Romain Jacquiot. Enfin, on soulignera l'excellente performance dans la catégorie vétéran de Noël Milani, le pilote du club local Les Bermudes, qui fait honneur aux organisateurs. L'entrepôt du bricolage. Le bricolage a pris entrepôt.